Bonjour, bienvenue à Close Access, ici Yves Ulysse. Aujourd'hui, nous sommes sur le quai Jacques-Cartier pour assister à l'une des représentations de Volta, la toute nouveauté du Cirque du Soleil. Alors si vous voulez bien, on va aller faire un tour en coulisses. On y va? Alors, nous voici ici devant le chapiteau avec la charmante Amélie Robitaille, qui est l'attachée de presse de la tournée de Volta. Bonjour, Amélie. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien, merci. Alors, Amélie, écoute, j'aimerais te poser quelques questions. Volta, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, le nom du spectacle fait référence au terme « volte-face » parce que le personnage principal de l'histoire, donc Boise, est un célèbre animateur d'une un jeu télé. Et en arrivant au millième épisode de cette émission, il décide de remettre en question sa vie. Je suis ici sur un site qui est absolument extraordinaire. C'est gigantesque. Le spectacle, nous allons observer et voir le spectacle tout à l'heure. Mais explique-moi, VIP, chapiteau, il y a au moins 3 chapiteaux, sinon il n'y en a pas plus encore. Combien de temps ça prend et combien de personnes que ça prend pour monter justement une structure comme celle-ci? Effectivement, c'est très impressionnant de considérer qu'un spectacle de cette envergure-là bouge et déménage de ville en ville environ à tous les 2 mois. Comme équipe, là, quand je compte le cast et le crew de Volta, on est 126 employés qui travaillent à temps plein pour le spectacle et qui voyagent avec le spectacle. Ensuite, pour combler les autres besoins, de ville en ville, on engage environ 150 personnes localement, les placiers, les hôtesses du VIP, les gens qui servent le popcorn. Toute ce groupe-là de personnes va servir à gérer les opérations, mais quand on parle vraiment d'installation, on dit que c'est environ 6 jours pour monter un setup comme ici. Oui, effectivement, il y a 3 tentes majeures sur le site et c'est 2 jours pour démonter. On a besoin d'engager environ 100 personnes locales du local labor, qu'on dit, pour nous aider à monter le chapiteau parce que c'est encore fait avec la force physique et non pas avec la machinerie lourde. Pour monter la tente. Et puis, on parle d'environ 72 camions semi-remorques là, pour voyager avec tout notre équipement et environ 2000 tonnes d'équipement. Wow! Alors maintenant, après toutes ces explications, on va aller faire un tour dans les coulisses et voir toute la magie qui se crée justement pour ce genre de spectacle. Allons faire un tour. Alors, nous voici ici avec Charlotte et Thomas du Cirque du Soleil qui vont nous raconter un peu leur aventure avec justement ce spectacle et comment le tout a débuté. Alors, Charlotte et Thomas, pouvez-vous nous dire, nous expliquer comment c'est arrivé, toi, tu as su que tu avais été sélectionné pour le cirque? Alors, moi, déjà, j'ai postulé par vidéo au Cirque du Soleil. Je me suis inscrite sur la plateforme générale sur Internet il y a à peu près 5 ans de ça. Et j'étais impatiente d'avoir un contrat, mais ça prend beaucoup de temps parce que c'est très dur de trouver la position adaptée. Donc j'ai relancé plusieurs fois par vidéo et il se trouve qu'on est tous les deux donc artistes et on a été séparés pendant quelques temps, on ne travaillait pas ensemble. Et Thomas a été contacté pour faire ce spectacle Volta et moi aussi. Donc on a su qu'il y avait opportunité d'être sur le même spectacle, donc on a tous les deux postulé pour Volta par vidéo. Mais Thomas, vas-y, raconte ton parcours qui est différent. Donc moi, en fait, mon aventure avec le cirque, elle a commencé en 2011. J'avais été sur une autre création, sur le show de Michael Jackson. Donc à partir de ce moment-là, j'étais dans la base de données des artistes potentiels pour le cirque. Et mon profil correspondait parfaitement pour cette nouvelle création de Volta, parce que je suis sur l'acte des anneaux balançants. Et cet acte-là était déjà présent sur Michael Jackson. Donc pour moi, ça a été comme une transition assez facile de passer d'un show à l'autre. Mais la très bonne nouvelle de ce spectacle, c'est qu'on peut être tous les deux sur le même show. Donc ça, c'est vraiment une très grande chance pour nous et on est très heureux. Est-ce que vous avez été séparés pendant longtemps, dépendant des spectacles? Un an sans travailler ensemble, oui. Ouais, parce qu'en attendant, il en a fait un autre. C'est ça qu'il ne vous a pas dit. Avatar, Toruk. J'avais été en tournée en Amérique du Nord sur le show de Toruk. Et pendant ce temps-là, elle était toujours sur un autre spectacle à Macao, en Chine. Donc pendant un an, on était sur 2 productions différentes, donc c'est pas évident
de pouvoir mélanger la vie affectueuse et le travail. Donc là, c'est la première fois qu'on est ensemble, donc on est content. Alors, le fait que vous vous retrouvez ensemble finalement, alors vous allez quand même voyager pas mal ensemble. Cette tournée va durer à peu près combien de temps, vous voyez? Notre contrat est signé jusqu'à fin 2018. Donc on sait qu'on va pour l'instant à Gatineau et Toronto, et ensuite on part aux États-Unis jusqu'à fin 2018. Alors, je vous souhaite bonne chance et toutes mes félicitations de pouvoir vivre cette expérience ensemble et aussi longtemps. Merci beaucoup. Et si vous voulez suivre les backstage de ce qui se passe sur Volta, vous pouvez suivre sur ma chaîne YouTube. J'ai un daily vlog en fait. Donc, je parle de tout ce qui se passe sur scène et backstage. C'est très intéressant. C'est au nom de Thomas Hubener sur YouTube. Alors, nous voici ici avec Laurie, qui est l'une des artistes, justement, de cette tournée, le Volta Extraordinaire. Nous allons lui poser quelques questions, mais tout d'abord, allô Laurie. Allô. Ça va bien? Oui, vous? Écoute, et raconte-moi un petit peu ton parcours, parce que je sais que tu sors de l'École nationale de cirque. Et justement, qu'est-ce qui t'a amené, le parcours qui t'a amené, justement, à participer à ce spectacle qui est, justement, extraordinaire? Eh bien, j'ai commencé en gymnastique quand j'étais jeune. Mon papa a vu c'était quoi le cirque, le Cirque du Soleil à Montréal. Donc j'ai commencé à aller à l'école. Et une fois que j'ai gradué, j'ai eu un job directement après l'école qui m'a amené de faire un artiste de cirque professionnel. Mais en fait, ça a toujours été mon rêve. Depuis que je suis toute petite, c'était les Olympiques ou le Cirque du Soleil. Mais le cirque, c'est vraiment, c'est comme vivre un rêve, comme tu le dis. Et les heures de pratique, qui doivent être quand même, c'est beaucoup d'heures de pratique pour pouvoir monter un spectacle comme celui-ci. Ah oui, beaucoup, beaucoup. On travaillait, la création, c'était des journées 6 jours par semaine, de 10h le matin à 10h le soir. On était toujours sur la scène, toujours en train de créer quelque chose, de changer une chorégraphie. C'était beaucoup, beaucoup de travail. Mais ça a donné un spectacle magnifique, ça vaut la peine. Ouais. Mais je sais aussi que, mis à part ton premier rôle que tu fais, justement dans l'acrobatie, tu dois t'entraîner aussi pour un second rôle au cas où pouvoir remplacer certains autres artistes. Oui, exactement. En ce moment, ils travaillent les ladders. Je suis la backup pour les ladders. Donc, je fais les bungees dans le spectacle. Mais en même temps, s'il y a quelqu'un qui se blesse ou quoi que ce soit, j'ai le profil qui fonctionne avec ce numéro-là. Donc, toutes les semaines, on a des répétitions pour que j'apprenne le numéro, les chorégraphies. Au cas qu'il arrive quoi que ce soit, je suis prête à rentrer dans le spectacle. Alors, je trouve ça extraordinaire. Merci beaucoup, Laurie. Tu as une très belle carrière devant toi avec le Cirque du Soleil et cette tournée. Je sais que vous allez partir bientôt en tournée. Vous allez commencer par Gatineau et vous allez par la suite aller dans d'autres villes. Alors, je te souhaite encore bonne chance et félicitations. Merci beaucoup. Voilà qui termine cet épisode sur les coulisses de Volta du Cirque du Soleil. Alors, après Montréal, le spectacle va se déplacer à Gatineau. Ici Yves Ulysse pour CloudSuccess.tv.